What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui a été très demandée par mes abonnés. Donc déjà merci justement de me demander de vous montrer ça en vidéo parce que bah, ça me permet voilà de rajouter du contenu sur la chaîne. Donc la dernière fois il y a eu un gros débat et j'ai eu surtout beaucoup beaucoup de clash par rapport aux classiques séries qui ressemblent avec évidence au Yeezy Boost 350 de Kanye West. Donc je vais vous remontrer la paire. Donc voilà. Donc ça c'est une paire qui pour moi n'est pas du fake. Ce n'est pas une contrefaçon, c'est juste une paire de chaussures de la marque Classic Series qui reprend les bases de la Yeezy Boost. Ce n'est pas du tout de la contrefaçon ou voilà une fake de la Yeezy Boost parce que sinon ça aurait porté le même nom et j'aurais payé plus cher bien évidemment. Là je l'ai payé 50 euros celle-ci. Et comme vous le savez bien et je pense que vous le verrez beaucoup souvent maintenant si vous allez au chinois, moi. Franchement, je vais jamais au chinois parce que j'aime pas ça, c'est souvent de la qualité de merde. Je crache pas sur votre travail, c'est le travail de beaucoup de personnes. Mais enfin, la qualité des vêtements chinois, c'est de la merde, faut pas se mentir non plus. Et j'ai vu, voilà, moi je voulais déjà m'acheter une paire voilà, noire comme celle-ci à 50 balles, sauf que j'avais pas trop d'argent en ce moment. Et voilà, j'ai trouvé quelque chose de moins cher. Et qui ressemble tout autant, bon, pas, elle est moins large, beaucoup moins souple, c'est assez froid, donc quand il y a du vent, le vent, l'air passe vraiment dans la basket, donc on a froid aux pieds. Mais pour la ressemblance, c'est assez marquant aussi, hein, il n'y a pas, voilà, à part que c'est pas la même grosseur, c'est pas aussi large. Mais sinon c'est pratiquement pareil, ça reprend. Là par contre je serais d'accord si vous me dites que c'est une contrefaçon Yeezy Boost. Ça je suis totalement d'accord, ça c'est une contrefaçon parce qu'il n'y a pas du tout de marque et le vendeur m'a vendu ça comme une Yeezy et je l'ai payé 18 euros. Donc parce que j'ai eu un peu de tchatch, sinon il a vendé 23 euros. Donc voilà, je fais 5 ballons en moins. Et donc voilà, c'est la paire que vous m'avez demandé de vous montrer. Voilà, donc franchement, ça se voit que c'est pas une Yeezy, mais de loin, ça y ressemble, hein. On va pas se mentir. Moi, perso, je suis pas grand connaisseur des Yeezy. Donc après, voilà, ce qui m'énerve, c'est que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Quand je vous dis que ce n'est pas une contrefaçon ou une fake, ce n'est pas une. Une marque ne peut, une marque en plus qui est reconnue, je sais pas si c'est vraiment mondialement, mais je pense que oui, reconnue mondialement. Puisse reprendre, faire une contrefaçon comme ça et pouvoir les vendre sur des sites officiels. C'est quelque chose d'impossible parce que la marque serait obligatoirement retirée direct du marché. Ça, c'est normal. Donc, celle-ci, arrêtez de me dire que c'est une contrefaçon ou que ce sont des faux Yeezy Boost. C'est une marque Classic Series qui a repris les bases d'une Yeezy Boost pour permettre aux gens qui n'ont pas d'argent et qui ne veulent pas mettre 350 balles dans une paire de chaussures pouvoir acheter quelque chose qui ressemble un peu et voilà pour 50 balles. Donc voilà, moi je trouve que c'est super bien d'avoir fait ça et en plus je suis sûr qu'ils vont en vendre beaucoup plus que des vrais Yeezy. Donc voilà, ça c'est une contrefaçon. Ça, c'est une certitude. Regardez, je peux la tordre comme je veux. C'est de la grosse merde. C'est de la merde. Hein, mais pour 18 euros, voilà, il me fallait une paire de chaussures noires qui ressemble à des Yeezy. Et ben voilà, je me suis dit, voilà. Même si elle n'est pas assez large par rapport à Classic Series, que justement, j'aimais bien l'ergonomie de cette paire de chaussures-là. Où le, voilà, elle était vraiment cool. Bah voilà, je préfère. Je me suis dit, bon, voilà, au lieu de mettre 50 balles, autant m'acheter encore, même si c'est moins en bonne qualité, voilà, de m'acheter ça. Donc, il y a sur un côté de la chaussure où il y a une couture, voilà, ici. Là, on peut voir une couture qui part de travers. Et là, c'est pour dire vraiment, c'est une contrefaçon, on fout de ta gueule, mec. Mais je suis à payer moins cher. Donc, voilà, c'est pour ça, je me suis dit, voilà, je vais me l'acheter. Comptez le nombre de voilà que je viens de dire et que je dis dans chaque vidéo, ça serait assez marrant qu'il y ait vraiment le nombre dans les commentaires. Parce que j'arrête pas de le dire. Je m'en rends compte à chaque fois parce que je me regarde après, je regarde les vidéos que je fais et que je produis. Je suis tout le temps en train de dire, oula, j'ai craché partout. Je suis tout le temps en train de dire, voilà, donc voilà. Et voilà. Donc du coup, bah.
Moi, je trouve que c'est une bonne paire quand même. Si je vais vous prendre en vidéo comment c'est quand je marche avec, mais franchement, c'est une bonne paire. C'est pas non plus désagréable. À part qu'on sent vraiment quand il y a des cailloux en dessous parce que la semelle est pas terrible, terrible. Mais sinon, c'est une bonne paire en soi. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà les mecs. Je vous fais un petit plan avec du blanc en dessous parce que sinon, vous allez avoir du mal à le voir. Déjà là, je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Je pense que oui quand même. Hein. Par si vous êtes bigleux. Désolé à tous ceux qui ont des problèmes de vue. Non, mais je ferai un petit truc après, histoire de vous montrer un peu plus près tout les baskets, même si vous les avez vues tout à l'heure. Mais bon, il n'y a pas de raison que vous les voyez pas là. Bon, sinon, c'est agréable. Hein. C'est vraiment léger. C'est agréable. Vous pouvez voir, c'est vraiment voilà, c'est souple, c'est très très souple. Moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est assez stylé, puis ça peut habiller pas mal de tenues. Merde. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une chaussure, voilà, et je vous la montre là. Voilà, là vous la voyez bien. Niveau des lacets aussi. Bon, les lacets sont moins mastoc que les vrais. La semelle aussi. Puis la semelle elle est pourrite, hein. Franchement. Pas terrible. Vous voyez là. Hop. On va la remettre. Donc voilà mes pépites de chocolat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'était un plaisir énorme et sec, comme dirait Thibaut Henchel, d'avoir fait cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire quoi faire comme vidéo, il n'y a pas de problème. Si vous voulez même revoir un vêtement plus en détail que j'ai fait par exemple sur un lookbook, ou si vous voulez voir une tenue plus en détail que j'ai fait sur un lookbook ou sur d'autres vidéos, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Ça me permettra de faire du contenu et en plus de vous faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, lâchez un commentaire, lâchez des likes. Je vous retrouve très très bientôt. Bisous mes pépites de chocolat, je vous kiffe à la mort. Peace, mais pas sur moi.